Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on part en s'attarder à la dernière fois de Wong Fu de Company of Heroes Tales of Valor. On va s'attaquer à la dernière campagne, cette tulle poche de falaise. Et la première mission, cette tulle train vole coup de poing. Les alliés se rapprochent de train et ciblent nos blindés avec leurs avions, protégés et blindés jusqu'à tomber de la nuit, jusqu'à qu'ils puissent ressortir à faveur d'obscurité. Je vous laisse avec la cinématique, on se retrouve après. Et je suis un peu rapide parce que cette mission est très longue. Et m'énerve énormément aussi. Je dis honnêtement, je crois vraiment d'avoir pas du tout à faire. À gauche dans 20 minutes. Il reste 122 km jusqu'à Chambois. Enfoiré de frites. Pourquoi ils vont vers l'ouest? Ils croient vraiment qu'ils peuvent prendre Patton? Ils peuvent toujours essayer, avec les Anglais qui arrivent par le nord. Et la 12e qui monte du sud? On va prendre leur 7e armée en tenaille, on n'a rien de temps. Chambois et Train. Si on prend ces deux villes, on les tiendra. Ensuite, on les noiera sous un déluge de bombes. Alors, mission, pourquoi je la déteste complètement? Parce que l'IA triche comme pas possible. Enfin, triche, c'est prévu que, comme ça, mais c'est bizarre. Autant quand je m'entraîne seul, je la fais en difficile, ça va. Autant quand je filme, en normal, j'y arrive pas. Tout le mystère de quand on filme, voilà. Donc, c'est la troisième fois que je filme, c'est là que quand on vraiment me prendre la tête. Pourtant, je sais la technique pour la défendre. Je sais, mais simplement, l'IA me fait jamais deux fois la même chose. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Vous avez entendu? Ça venait de Chambois. Les Américains ont dû prendre le contrôle. Ils sont déjà autant à l'est? Et avec les roast beef venant par le nord, on sera piégés! On doit avertir la Luftwaffe. Les nouvelles armes sont là. Ne tirez pas! Bon, on doit alerter la Luftwaffe. Et que les ennemis arrivent. Et tout de suite, je vous dis ce qu'il faut prendre. On va prendre ça, on va prendre ça. 1, 2, 3, 4. On a 6 points, donc on va prendre ça, on va prendre ça, puis de tout. Tout ce qu'on va prendre hein, en bonus. Qu'est-ce qu'il y a, S? J'espère que c'est important. Les Américains, ils ont pris Chambois. Déployez les 88 mm. On doit pas se faire prendre au dépourvu. Rassemblement. Il faut y aller. Et en fait, il y a une question que je me pose, est-ce que je peux déployer un 88? Est-ce que si je déploie là-bas, est-ce qu'il est considéré comme un 88 construit? Lancez la construction, soldat. Je fais un test, j'ai pas encore testé. Parce que vous êtes limité en fait. Bon, le 88 ne coûte rien du tout, faut dire, ça prend juste du temps à être fabriqué. Oui, chef, tirez pas. Vous êtes limité à 5,88. Et moi, le problème qu'on a, c'est que le 88 ici vous prend de la place en population. Mais il vous emmerde royalement. Je vais pas le nier, c'est. Quand je dis vous emmerde vraiment royalement, c'est du sens que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec le 88 là, étant donné qu'il va rester ici. Et vu qu'un des objectifs secondaires, que l'objectif principal c'est de protéger les blindés. On a besoin des 88 mm pour protéger nos panzers, ils sont imbattables. Nos panzers sont supérieurs aux chars américains. Mais même les machines supérieures ne peuvent détruire quelque chose qu'elles ne peuvent attaquer. Il faut protéger ces chars en fait. Et protéger ces chars, le 88 là ne peut pas. Voilà. Donc il faut les poser à la ligne de front pour que ça soit efficace. Et si jamais ça marche, je vous dis tout de suite. Vous en fichez de cette position là, vous les mettrez à la ligne de front. Oui, ça marche. Donc faites comme je viens de dire, vous mettez tout à la ligne de front. Les 88. Alertez les âmes, ils sont interposés. On voudrait pas être pris par surprise.
Donc voilà, vous mettrez tous les 88 au front. Les Américains attaquent train. Prenez vos armes et sortez. Levez-vous. Prenez vos armes. Les Américains attaquent. Vous entendez pas ce qui se passe dehors? Ça par contre c'est chiant qu'ils doivent toujours rentrer dans les bâtiments pour y sortir. Et je vais pas vous mentir, je vais mettre échappe maintenant à chaque fois qu'il va avoir ça parce que... Voilà, ça débloque de nouvelles unités, bon... Avion américain en approche! C'est pas que j'ai besoin aussi de rapidement des munitions, moi, donc... Très bien, je veux un fusilier à chaque tir de cette grange, Volksgrenadier. Un avion d'observation, il cherchait sûrement des cibles potentielles. Levez-vous! Prenez vos armes! Les Américains attaquent! Ça va être toujours la même phrase en fait, c'est pour vous dire que... Bon attendez, je vais juste déployer mon 4... Debout! Debout, bande d'idiots! Les Américains sont là! Sapeurs au rapport! L'ennemi est dans les paras! C'est pour... Oh non! Ils nous lancent les paras! Ils doivent chercher. Et en plus ils changent d'endroit, ils partent. On doit les empêcher de repérer nos chars! Ordre du Hotman, tout le monde dehors! Les Américains sont là! Très bien, section! On s'y met tout de suite! Donc voilà. Dehors et n'économisez pas. Les Américains attaquent train. Prenez vos armes et sortez. On change de position. Il y a d'autres paras qui tombent du ciel. Chasse. Les N40 en première ligne. Voilà le défeur, on se replie. Écoutez. Poste d'observation attaqué. En plus, il y a un bazooka. Il y a des Panzer Shrek. Allez récupérer les Panzer Shrek. Honnêtement, c'est... J'attends vos ordres. Ramassez-la. Je vous écoute, chef. Luftwaffe prête à partir. Donc voilà. Or les 88 vous seront vraiment très utiles durant ces missions. Je pense y avoir déjà dit au moins plusieurs fois. Grenadier au rapport, en avant. Saisis. On doit les empêcher de repérer nos chars. Compris. Nous ferons notre devoir. Ah, très bien. Si descendent dans son bois, moi je dis oui. Compris. On est en face. Il faut aussi avoir rapidement les Américains attaquent train. Prenez vos armes et sortez! Dans ce bâtiment, rassemblement des en ligne. En avant! Au travail, soldats! Section, on se met en route. Par deux. Voilà. Et je vais déployer un 88. Debout, tête fainéant! Les alliés attaquent train! Il y a d'autres paras qui tombent du ciel! Chasse! Voilà. Les Américains attaquent train! Prenez vos armes et sortez! Et les munitions sont à nous. Half-track, ici le Half-track, on roule. Kampfwagen en route. À vous en. Vous arrêtez pas, petit. Vous dégraissez les airs en grenade. Voilà, une grenade. Debout, tête fainéant. Des alliés attaquent train. Sapeur, debout. Blindé de reconnaissance au rapport. Équipe on doit se débarrasser des paras. Unité ennemie, les alliés dans les parages. Restez vigilants. Bon. Même des obstacles anti-char un peu partout parce que ça peut être très pratique, honnêtement. Je n'ai jamais mis autant d'obstacles anti-char, hein, je vais pas vous mentir, j'en mets beaucoup. Vous en voyez pas encore beaucoup de déployés, mais je vais vraiment forcer dessus. Debout, tête fainéant ! Les alliés attaquent train ! Postez-vous en fenêtre et surveillez les voies d'accès. Soldats, on doit se débarrasser des paras. Mitrailleuse ici sera très pratique. On se tire de ce coup ! Saisie du ravitaillement aérien. Cette arme lourde. Ah yeah. On a récupéré. Saisie du ravitaillement aérien. On a des ordres. Écoutez avec moi. Vite, grenadier. En avant. Ils nous canardent. Allez, courez ce plan. Arrêtez de fusil. Ça se voit quand même que ça fait un moment que j'ai pas joué au... Enfin, à part les entraînements, mais ça se voit que je joue beaucoup à Compagnie au Fur et à Mesure ces derniers temps. S, barman, chargez-vous-en. Parce que les Alctrac ont une mitrailleuse de base dessus. On doit se débarrasser des paras. Poste d'observation attaqué. Quelles sont les armes? Et je vais pas vous mentir, ça fait quand même sacrément la différence. L'ennemi attaque un secteur sous contrôle. Ils ne feront pas le poids face à notre puissance de feu. Les munitions sont à nous. Ordre du Hotman, tout le monde dehors. Les Américains sont là. Pliez bagages, on se met en route. Mince, c'est 1000 de population atteinte. Que voulez-vous? Bordel, ça fait au moins 10 fois j'avais qu'on traverse ce on attend vos armes. Je vous écoute, chef. Debout. En avant. On doit se débarrasser des paras. Bon, faut que je parle d'un véhicule. C'est catégorique, là. Vous en perdez un. Il vous faut les 5,88. Ça, je pense que vous l'avez compris.
Un secteur sous contrôle est attaqué. Et c'est vraiment indispensable de les avoir parce que sans ces 88, vous serez vraiment dans la mouille. Voilà, bon. Et eux, ils vont envoyer des trucs pour quand même enlever les. On doit se débarrasser des paras. Faites-moi pleuvoir ces hommes sur leur tête. Les obstacles anti-chars, ça par contre, ça va être chiant. Bon, en fait, pourquoi je vous appelle obstacles anti-chars? Parce qu'ils envoient des trucs pour les enlever. Quelle est notre cible? Et c'est la seule unité qu'ils ont un peu épais son brin d'arche. Ils ont pénétré notre base. Nous sommes attaqués. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Les médias, allez, vaincus. Ripostez en vrai soldats. Utilisez le pas à pas. Bon boulot, tout le monde. Les paras s'enfuient. Mais ces lâches d'Américains vont sûrement revenir. Les Américains sont en route. On doit avoir une bonne défense. Laissez les Panzers en lieu sûr jusqu'à la tombée de la nuit. Stoppez les S. Répondez à l'agression. Ne me décevez pas encore. Hein, me décevoir encore. Pas de quoi il parle, mais bon. Les Américains arrivent en force. Prêt à attaquer l'ennemi. En avant. Blindé, on y va. Laissez attaquer. Qui faut-il attaquer? Vite. Vite. Ouais, ben, j'aurais dû mettre des escouades comme un double lance-grenade. Lance-roquette. Poste de l'observation attaqué. Quels sont vos ordres dans les parages? Restez vigilants. Mettez pas l'obstacle en plus tard finalement. Ouais, je change d'avis rapidement, mais bon, on constate que ça sert totalement à rien. Et ça empire même plus la défense parce qu'ils vont envoyer des chars tellement résistants que vous pourrez pas les dégommer. Donc. Transport blindé opérationnel, compris. Montez sur nous, compris. Montez sur nous. On repositionne le plus large. On refuse d'obéir à un ordre absurde. Il le véhicule de transport sous le feu. Non, c'est pas une cible facile. Grenadiers, bon, formez les rangs. Ça se complique. Normalement, ils... Ils se sont battus pour le Reich jusqu'au bout. Ah, ils ont quand même un peu de mal à viser. Ah oui, j'ai oublié de dire, vos unités viseront très mal. Notamment vos... Bon, non, il me faut pas ça, moi il me faut ça, il me faut pas trop aérienne. Il faut ça, ah je peux pas faire les bâtiments pour améliorer la production d'essence, ça par contre ça va être... Vous voyez, ils ont quand même un gros problème quand même pour viser... Et le problème c'est qu'il n'y a pas de technique en fait pour autant en Company of Heroes 2 c'est pas un problème quand il y a vous spam deux chars parce que vous pouvez faire sortir hors moteur quand vous êtes allemand. Quand on a un canon qui sert à rien. La section de Volksgrenadier est éliminée. Off track, il est temps d'y aller. Équipe de flammes dans les parages. Prête, restez vigilants. Et ah oui, bah, je sélectionne pas encore la bonne troupe. Waouh! Eh, je suis pas dedans à partie, gars, je m'en excuse vraiment. Mais je suis plus dans la partie, sûrement parce que j'ai déjà dû la finir plusieurs fois. Mais mousse, mais avoir des 4. Mais des 88 qui touchent pas, ça, je pense que ça va m'horripiler. Parce que. D'habitude. C'est ça aussi toute la magie quand on filme. Hein. On se prépare avant de faire une vidéo. Faut pas croire qu'on fait une vidéo. Bah, on se dit, oh, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Non. On a quand même une préparation derrière. On prépare sa vidéo, on sait ce qu'on doit faire, tout ça. C'est pas quelque chose d'inconnu. Quand on commence à filmer, on sait exactement ce qu'on doit faire, comment ça va se passer une mission. Rassemblement, soldats. Mais le petit problème qui ont vraiment à m'énerver ces derniers temps, vous pouvez passer le nombre d'heures que vous voulez à vous entraîner. J'ai vraiment le don d'avoir toujours le compteur de ce que je veux faire. Moi. Il se passe toujours tout ce que j'avais prévu, ça se passe pas. Mais vraiment tout.
est peut-être le pire là, ces derniers temps, moi, qui se passe, c'est que quand je m'entraîne mes unités, ouais, ils savent se débrouiller, et quand je filme, mes unités font n'importe quoi. Notamment, ça peut viser. Jusqu'à la victoire. Les Américains essaient de nous prendre par surprise. Arrêtez ces spilotes Panzer. On vous ici. Ils doivent pas trouver les chars. Défendez les Panzers à tout prix. Et là, oui, vous avez spammé d'unités en ce roquette, hein, honnêtement. Gars, on va par là. Grenadier, bon. Arrêtez-vous, occupez-vous des blessés. De toute façon, j'ai pas. Grenadier, écoutez. En avant. Mission de tir. Au moins. Il va pas dégommer mes défenses que j'ai mis en bas. Parce qu'en fait, il dégomme. Là, j'ai mis des obstacles anti-chars pour bloquer un passage ennemi. Ah bon, je perds beaucoup de véhicules, ça c'est normal. Et honnêtement, je m'en contrefiche totalement de perdre des véhicules. D'ailleurs, je vais déjà prendre toutes ces minités là parce que ça me sera très utile pour la suite. D'ailleurs, on va faire un petit test. Hein. Je vais faire un petit test. Dans les trois fois que j'ai filmé avant, l'ennemi a fait centrale, sud, nord. A chaque fois que je me suis entraîné, l'ennemi m'a fait centrale, nord-sud. Donc en gros, l'inverse de ce que je filme. Et là, j'ai envie de voir une chose. Est-ce que ça va être encore ça? Parce qu'après tout, moi, j'agis toujours en conséquence de ça. Je sais que l'ennemi va arriver là, donc j'ai repositionné mes troupes de telle manière qu'ils soient déjà prêts à combattre pour le coup d'après. Je pense que vous comprenez ça. Unité éliminée. Mais est-ce que d'après Alan Murphy, toujours, mais évidemment, on le voit, est-ce que juste pour embêter, ça va faire encore inverse? Et là, vous voyez que j'ai très peu de points d'effectifs. Globalement, pour le faire. J'en ai un bazooka, c'est déjà un peu gênant. Par contre, il y a un gros point positif au fait qu'il y ait des crocodiles, ça me rapporte du XP assez vite. Je vous défends de vous arrêter sur le feu. Quels sont les ordres, chef? Ça, par contre, c'est sympathique. Et j'ai déjà la patrouille là qui va vraiment me simplifier la vie pour la suite. Bien reçu. Prêt à transmettre les ordres. Ouais, ouais, et en fait il change tout à chaque fois. Tir de suppression. Bon, au moins le point positif c'est que je n'ai pas deux fois la même mission. Le point négatif c'est que pour moi ça me dérange. Je filme. Parce que j'ai eu dans le premier coup, mais les troupes là apparaissaient là-haut. C'est un petit détail, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça c'est pas le truc le plus important au monde. Mais n'empêche, ça veut dire quand même que ça change. Et là, il y a le temps mort. On va voir où ils vont venir. Et c'est là qu'on sera fixé comment ça se passe. Je garde mes troupes au sang au cas où, en fait, on sait pas où. Normalement, ça devrait être au sud. Mais ils en seraient capables de me lancer ça au nord. Bon, le Panzer Shrek, bien évidemment, si vous pouvez éviter de le perdre, ça serait bien. Beau troupe, hein. Ça coûte quand même cher, hein. Eh ouais, vous avez vu? C'est au nord, cette fois. Enfin, moi je viens de le voir, mais j'ai quand même filmé trois fois que c'était au sud. Trois fois d'affilée.
Ils ont pénétré notre base. Nous sommes attaqués. À vos ordres. Bordel, ça fait au moins 10 fois qu'on traverse ce secteur. Grenadier, prêt. Vite, y'a. Quel va attaquer, chef. Grenadier, prêt. Rassemblement, c'est ça. Eh gars, par contre, si j'ai un truc à dire, ils sont améliorés les canons anti-chars. Les packs 43, tout ça. Ouais, c'est comme ça qu'on va améliorer. Ça, c'est bien. La base subit les tirs ennemis. Écoutez, vite, en avant, n'écoutez pas ces ordures. Voilà, vous voyez, ces raids-là sont quand même plutôt efficaces, sont globalement efficaces. Hein. Écoutez, on a des ordres. Prêt, soldats, on bouge ici. En avant, en avant. Ici les grenadiers. Les gars, waouh. Les gars, en fait, je suis vraiment étonné, là, de vous expliquer pourquoi. Parce que la mission, je la trouve beaucoup plus simple que le premier coup, que les tout. Là, en réalité, je dis que j'ai déjà fumé trois fois, là, c'est la troisième fois en fait que je fume. Ça serait déjà plutôt vrai. Là. Mais cette fois-ci, en fait, l'IA n'est pas aussi pété que les deux coups d'avant. En fait, je me demande si j'ai pas fait la boulette de mettre ni en. Par contre, j'avais fait la grosse boulette d'avoir regroupé mes troupes. Il faut bouger en constamment vos troupes. Nous pouvons déchaîner une tempête de feu sur notre ennemi. Écoutez, allons-y. Ouais. Soignez vos blessures, soldats. Grenadier, prêt à transmettre les ordres. On y retourne. Par contre, j'ai une escouade qui a perdu tous ses. Une escouade de grenadiers qui a perdu beaucoup de matériel, ça, c'est un peu gênant ça. Mais j'ai même perdu deux escouades en fait. La base est attaquée. C'est bon, ça va le faire. Ça, je pense que c'est bientôt le dernier raid de nous. Non, pas le dernier ou non. J'espère vraiment qu'il va bientôt arriver le dernier raid parce que je ne vais pas pouvoir supporter des pertes de cette envergure là encore bien. Et des bombes Firefly, du coup que je m'utilise beaucoup dans la mission suivante. On va prendre cette position. Arme chargée à tir. Que fait-on? Riposter en vous déplaçant. Pas maintenant. Allons pas, on avance. Vous voyez que ces armes poussent sur les arbres. Grenadier, silence. Riposter en vous déplaçant. Gavon. Saisis du ravitaillement aérien. Ouais, d'ailleurs, je vais pas vous mentir, je joue beaucoup mieux que les coups d'avant. Je veux dire, c'est bien pour vous parce que au moins vous ne verrez pas trimer comme pas possible pour faire quelque chose de pourri. Et on n'a pas encore vu en fait le bonus qui nous attend pour avoir une étoile. Pour avoir une étoile, c'est assez simple, c'est empêcher la destruction des blindés. Simple, non? Notre base est attaquée. Et voilà comment on fait. À
Attaque dévastatrice en marche. Le secteur va être mis à feu et à sang. Ya, on va par là. Unité éliminée. On rencontre de longues résistances. Quelles sont les armes? Je vous écoute, commandant. Section, se met en route. Nous sommes prêts. Par contre, il me faut vraiment des sections au sud. Soldats, on bouge d'ici. Parce qu'il y a plusieurs axes d'approche, bien évidemment, pour les ennemis, hein, il n'y en a pas qu'une. Et un de ces axes, c'est... ici. Donc j'ai envie en fait d'éviter qu'il me déborde par l'axe sud. On a perdu un gars. Armes chargées. Partir. Oui, acquisition de la cible. Bon, au moins, dès que vous détruisez l'avantage, vu que j'ai mis ça là, c'est les crocodiles, j'en détruis un bon paquet, ça me rapporte 115 munitions par crocodile détruit. En bas, que ça commence à être un peu gênant pour ces crocodiles là. Alors, vous combinez les deux, comme ça vous avez un truc anti-infanterie et anti-véhicule. Et voilà, au sud. Bon alors, si j'ai un conseil, maintenant je vois que ça va plutôt bien se passer, je pense que je ne vois pas, je vois difficilement comment la perdre. C'est donc, laissez votre infanterie, voilà, faites déjà plein de grenadiers, ça je pense que vous l'avez compris. Cette unité est indispensable dans votre armée, les grenadiers. Votre seule troupe en fait, c'est votre meilleure troupe étant donné qu'elle est équipée de deux Panzerschreck. Et les Panzerschreck, c'est vraiment la vie. Par contre, le seul truc qui est dommage, c'est que vous voyez, je peux pas prendre de grade dessus, donc c'est des améliorations qu'on a achetées dans les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que mes troupes seront forcément de ce grade-là tout le temps, en fait. Sans grade de mal. Alors que ça aurait pu être sympa, par exemple, des unités qui gagnent un peu de gamme. Voilà, les troupes se soignent un peu. Et vous voyez, étant donné que je bloque tous les chemins d'accès, j'ai 2,88 qui couvrent directement le chemin là. Et aux munitions, ça se passe très bien. Mais 2,88 en fait couvrent cet accès là. Donc, et ils sont plutôt précis là, alors que dans à chaque fois que je filme avant, ils coupaient quasiment tout leur tir. C'est une sorte de probabilité que ça touche. Vous pouvez avoir par exemple le coup de pas de chance, où ça loupe quasiment tout ton gars, il touche plutôt bien. Et vous voyez qu'à partir du moment qu'il touche, ça fait mal, 88. Et je pense que c'était la dernière assaut ennemi là. En tout cas, ça y ressemble. Les Américains s'en vont ? Les lâches ne se battent pas dans le noir. Obersteinklar à tous les Panzers. La nuit est tombée. On peut bouger. Hoffmann, vous vous êtes débrouillé comme un chef. Je ferai part de mes recommandations au haut commandement. Je vais vous montrer ce que c'est de commander vraiment. Et aucun moyen de perdu, vous avez un signe d'artillerie décerné. Bon, voilà. On nous a reçu cette mission finalement. Donc, ne mettez pas en fait là où il conseille le canon de 88, vous avez constaté, j'ai tout de suite mis au front. En avoir 5 au front, c'est quand même très pratique.
beaucoup de grenadiers à côté. Grenadier, fait. Et ça passe tout seul. C'est bon. Nos panzers vont percer leur ligne comme une faux couperait l'herbe. On va montrer aux Américains ce qu'est le savoir-faire allemand. Tant que les avions américains ne se... Notre acier est résistant. Les bombes américaines feront autant d'effet à nos panzers que la pluie sur la pierre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de foncer droit sur les lignes de front des alliés. Le haut commandement lui a ordonné d'attaquer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'ici, plus personne n'a vraiment idée de ce qui est en train de se passer. Bonne chance, Anders. La chance n'existe que pour les faibles, Hotman. Là, quand même, on constate une chose, parce que c'est vrai. On m'explique la logique, quand vous êtes en infériorité numérique, vous n'avez pas à ce point assez aérienne, d'attaquer. Voilà, c'est ce qui va se passer, ils vont attaquer, ils vont se faire massacrer. Je vais un peu spoiler la suite, mais bon, ça vous en doutez. Donc, nous avons accompli les objectifs principaux, qui est de construire une position de 88 et protéger les blindés. Faites comme j'ai mis la position de 88, comme je redis, ne mettez pas là où il y a concert à côté de l'église, mettez là sur la ligne de front. Mettez après deux canons de 88 pour protéger les blindés sud, deux canons de 88 pour protéger les blindés nord. Et comme ça, vous allez en même temps en parallèle alerter les garnisons. Dès que vous pourrez remplacer vos blindés par des grenadiers, faites-le. Comme ça, vous aurez grenadier plus Panzer Shrek. Vous pouvez récupérer si possible les Panzer Shrek sur le champ de bataille. Pour économiser vos munitions dans les frappes aériennes. Voilà, c'est vraiment un bon conseil ça. Et tout ceci vous permettra d'avoir l'insigne d'artillerie qui est d'éviter toute perte de blindés. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez passé un agréable moment à mon compagnie. Quoi que ce soit, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde!